Une chose qui est sûre dans la vie, c'est que tout le monde, à un moment donné, doit faire face à la souffrance. Bonjour, ici Michel Mazzalongo avec une autre émission de Télébible. Eh bien, quand on parle de ce problème de souffrance, on doit réaliser que la question clé est comment on va réagir à la souffrance. Il y a des gens qui se fâchent tout simplement. Ils se fâchent contre eux-mêmes, contre leur famille, même qui se fâchent contre Dieu. J'ai connu des gens qui ne voulaient pas parler à Dieu parce qu'ils souffraient. Il y a d'autres personnes qui se découragent, même au point qu'ils veulent se prendre la vie. Et même d'autres, eh bien, ils prennent ça comme quelque chose de chaque jour, en espérant qu'un jour les choses vont aller mieux. Mais dans la Bible, on apprend que quand on fait face à la souffrance, on doit se réjouir. C'est bizarre, hein, cette idée-là. On doit se réjouir quand on fait face à la souffrance. Aujourd'hui, dans notre classe, nous allons étudier l'Épître de Jacques et voir comment Jacques nous enseigne que nous, on doit réagir quand on fait face à la souffrance. Donc, on vous invite à prendre vos Bibles, un crayon, une feuille de papier et vous joindre à notre classe d'études aujourd'hui pour l'émission Télébible. On vient dans un instant. Et bienvenue à notre classe. On est prêts à étudier encore cette semaine? Ah oui. Oui, j'espère. Bienvenue à notre classe. Bienvenue à nos téléspectateurs. On demande d'avoir vos Bibles prêtes, s'il vous plaît, et les ouvrir à Jacques, l'Épître de Jacques. Merveilleuse épître. Cette semaine-là, c'est de l'encouragement. Je sais que souvent, j'essaie de répondre des questions et on parle de doctrine, ces choses-là, parce qu'il y a tellement de drôles d'idées au sujet de religion qui se promène, de la religion qui se promène, et puis j'aime ça à... Vous savez, enseigner pour mettre les choses claires. Mais cette semaine, je pense qu'on va parler d'une question d'encouragement, parce qu'on a tous des problèmes dans la vie. Et Jacques, lui, parle de la vie et les problèmes dans la vie, et les assez dans la vie. Je vais vous donner un peu d'arrière-plan au sujet de cette épître. Les premiers chrétiens, au premier siècle, étaient des Juifs. C'était eux qui étaient convertis au premier siècle. Et souvent, eux ont voyagé de Jérusalem à d'autres pays et d'autres villes. Maintenant, la vie pour un chrétien qui était juif dans le premier siècle n'était pas facile. Premièrement, il était coupé de sa famille. Parce qu'au premier siècle, si tu étais juif et que tu confessais que Jésus-Christ était le Messie, on te coupait de la famille. Vous connaissez ça, être coupé de votre famille pour vos convictions religieuses? Right. Mais les autres, ils connaissaient ça aussi. Un autre problème était que le chrétien, dans le premier siècle, vivait dans un monde païen et un monde immoral. On pense qu'aujourd'hui, on a des problèmes, puis il y a de l'immoralité dans la société. Eh bien, c'est rien à comparer au premier siècle. Donc, le chrétien du premier siècle avait des problèmes sur tous les bords. Il y avait de la pression sur lui, moralement, spirituellement, socialement, culturellement. Dans sa famille, il était rejeté. Il avait besoin d'encouragement. Eh bien, Jacques, lui, il était un juif, c'était lui le frère du Seigneur, et il écrit une épître, une lettre, pour envoyer aux chrétiens juifs à travers le monde pour les encourager. On va lire chapitre 1, s'il vous plaît, versets 2, 3 et 4, pour voir ce qu'il dit. Il dit, « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Il commence bien, il commence avec l'encouragement. Jacques écrit à ces chrétiens-là pour essayer de leur encourager et essayer de leur enseigner comment vivre comme un chrétien dans un monde païen. Je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine d'apprendre. Comment vivre comme un chrétien dans un monde païen? Eh bien, la première chose qu'il dit, c'est que le chrétien, lui, il ne réagit pas comme les autres personnes. Oui, c'est vrai, il ne prend pas un coup, tu sais, il ne vole pas, il ne tue pas personne, ça c'est normal. On s'attend toujours de ça d'un chrétien. Mais sa réaction envers les épreuves n'est pas comme les autres personnes. Jacques dit, quand un chrétien reçoit une épreuve, c'est quoi sa réaction? Est-ce qu'il se fâche? Hein? Est-ce qu'il se décourage? Est-ce qu'il lâche? Non.
Il dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Jacques, il dit, quand tu rencontres une épreuve, quand il te fait mal au dos, Marcel, quand tu perds ta job, considère ça comme une occasion de joie. C'est pas comme ça qu'on réagit habituellement aux épreuves. Habituellement, on se fâche. On devient impatient. On prie à Dieu, « Dieu, j'ai des problèmes. Puis je veux que ça finisse aujourd'hui, vite. » C'est pas ça notre problème, la façon? On reconnaît le problème, puis on dit, « Dieu, je veux que ça finisse tout de suite. » Eh bien, Jacques, il dit, quand vous allez recevoir des épreuves, inquiétez-vous pas, voyez ça comme un sujet de joie. Quelqu'un va dire, bien, pourquoi? Pourquoi qu'on devrait voir ça comme un sujet de joie? Est-ce que le chrétien vit, il y a un soute en plastique? Quand il est baptisé, puis il sort des eaux du baptême, puis commence sa première journée de christianisme, est-ce que l'évangéliste lui donne un chapeau, puis... qu'il protège de toutes les épreuves? Non. Le chrétien, lui, il est sujet à les épreuves. Le cancer se fait frapper par un auto, perd sa job, pareil comme une autre personne. La seule différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est que pour le chrétien, les épreuves doivent être une occasion de joie. Et Jacques explique pourquoi. Il dit, « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. » Le chrétien, lui, réalise que quand il souffre une épreuve, il y a quelque chose qui se passe. C'est pas juste l'épreuve qui se passe. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est que Dieu lui permet de souffrir une épreuve parce qu'il va examiner sa foi. On dirait que Dieu prend Daniel, là, et met Daniel dans le feu, et après ça, lève Daniel, puis examine sa foi à la lumière. C'est encourageant quand on réalise que c'est ça l'épreuve. On réalise. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Je vais vous dire, moi, ce qui m'arrive. Quand j'ai des épreuves, j'ai toujours l'idée que Dieu m'a abandonné. Tu m'as abandonné, tu n'es plus là, tu es avec moi, tu sais. Braillard un peu. Mais Jacques, lui, il dit complètement l'opposé. Il dit, quand tu souffres une épreuve, Dieu, il est très proche de toi. Même quand tu souffres des épreuves, c'est le temps, je pense, que Dieu, il est le plus proche de toi. Il fait quelque chose dans ta vie. Il était prêt à t'examiner, là. Tu sais, on dirait que, la construction, il met les barrières jaunes puis les lumières qui flashent, là. Eh bien, quand tu es prêt à souffrir une épreuve, c'est ça que Dieu fait. « Ouais, c'est le temps de travailler sur Carole. On va mettre les barrières autour d'elle. On va mettre les lumières qui flashent, là. Une épreuve. On va l'examiner. On va voir qu'est-ce qu'elle fait. » C'est ça que Jacques dit. Puis pourquoi je devrais être joyeux que Dieu examine ma foi? Parce qu'il dit que si Dieu examine ta foi, OK? Le résultat de cet examen, c'est que toi, tu vas grandir en patience. Ça vaut quelque chose. Dis-moi que tu vas me donner $1 million dans 2 semaines, je vais être heureux, je vais avoir hâte d'avoir mon million. Bien, Dieu dit, quand je te permets d'avoir une épreuve, au bout de cette chose-là, là, c'est de la patience que tu vas recevoir. C'est ça que je t'ai prêt à tailler en toi. Clac, comme un maître sculpteur, il était prêt à tout ôter, préparer une œuvre. Bien, Dieu était prêt à préparer une œuvre avec ton caractère. Puis ça fait mal, les coups. Tau. Ça fait mal. Mais à la fin, il y a un beau dessin. Et le dessin qu'il essaie de faire en dedans de toi, c'est la patience ou la même patience qu'avait le Christ. Maintenant, c'est toi qui vas avoir. Parce que le Christ a appris et a été formé dans la patience de la même façon que nous sommes formés. La Bible nous dit que Jésus a appris la patience par les choses qu'il a souffert. Pensez-vous que nous, on peut s'en sauver? Non. Non, du tout. C'est quoi la patience? Hein? La patience, c'est-tu juste, attendre? Il y a bien du monde qui dit, « Moi, je suis patient, j'attends. Je fais rien, je fais juste attendre. » Ça, c'est pas la patience. La patience, c'est l'habilité d'être capable de soutenir un poids sans flancher.
être capable de soutenir une pression, là. Ça peut être la maladie, ça peut être un mariage qui ne va pas bien, ça peut être les choses. Tu sais, des fois, il y a des journées, rien ne marche. On a quelqu'un dans l'équipe technique ici qui connaît bien ce que je dis. Il y a des choses qui ne marchent pas. La patience, la patience, c'est d'être capable de tenir le coup. Puis c'est ça que Jacques est après dire. Jacques est après dire, écoute, chaque fois que tu peux souffrir la patience, chaque fois que tu peux soutenir à travers l'épreuve, tu développes des muscles spirituels. Tu sais, c'est des gros muscles spirituels de patience. Donc, si on veut avoir de la joie, si on veut avoir un cœur paisible, Jacques nous dit, apprenez à souffrir patiemment. Apprenez à reconnaître que quand Dieu vous permet d'avoir des épreuves, c'est pas parce qu'il vous aime pas. C'est pas parce que Dieu s'est levé un matin et dit, « Ouais, ben là, tu sais, Maurice, je pense que je vais lui donner la claque un matin là, parce qu'il me tombe ses nerfs. » Tu sais, ça marche pas de même. Non, mais il y a bien du monde qui pense ça. Ils ont peur. Ah, Dieu m'aime plus, il m'a envoyé des épreuves. Du tout. Si tu souffres des épreuves, c'est même le contraire. C'est parce que Dieu t'aime. Et il veut former en dedans de toi quelque chose de précieux, quelque chose de beau, quelque chose de signifiant. OK? C'est ça que Jacques dit. Et la gloire de toute cette chose-là, savez-vous, c'est quoi? La gloire de cette chose-là, c'est que chaque fois qu'on réussit à surmonter une épreuve et à tenir le coup, on peut savoir qu'on est un pied plus proche, un pas plus proche à notre objectif final. Et notre objectif final, c'est quoi? C'est d'être formé dans le caractère et dans la puissance de Jésus-Christ. Chaque fois que je réalise que j'ai fait un pas dans cette direction-là, je suis joyeux. Je suis heureux. Je suis juste un petit peu plus comme Jésus. Tu sais, Jésus nous a dit, si tu ne portes pas la croix, tu ne peux pas avoir la couronne. All right. Eh bien, quand on va revenir, on va parler de la récompense que Dieu donne à ceux qui peuvent être patients. Donc, restez avec nous. On revient dans un instant. Merci. Bonjour, ici Michel Paquette avec notre question biblique. Eh bien, aujourd'hui, nous étudions l'épître de Jacques. Ma question que j'aimerais poser est la suivante. Jésus avait-il un frère nommé Jacques? Oui ou non? Eh bien, pendant que vous réfléchissez à votre réponse, veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre émission ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, bien, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, aux soins de l'Église du Christ à Verdun, 503 5e Avenue, Verdun, Québec, H4G 2Z2. Donc, Jésus avait-il un frère nommé Jacques? Eh bien, la réponse est oui. La Bible nous enseigne en Marc, chapitre 6, verset 3, que Jésus avait quatre frères, Jacques, Joseph, Jude et Simon. Il avait même des sœurs. Eh bien, c'est tout pour notre question biblique aujourd'hui. Soyez avec nous la prochaine fois. Au revoir. Eh bien, on étudie au sujet de la souffrance. Tout le monde a bien souffert cette semaine. On est prête à parler au sujet de la souffrance. Oui. Ah. Bien, la clé que Jacques nous donne est que quand on rencontre la souffrance, on doit être joyeux. On a parlé de ça dans la classe. Mais pourquoi qu'on doit être joyeux? Et là, il donne la réponse en Jacques, chapitre 1, verset 4. Donc, quelqu'un lit, s'il vous plaît, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Voilà. La souffrance produit la patience. Ça, on a déjà établi cette idée-là. Ouais. Mais la patience, elle, accomplit quelque chose de parfait. C'est quoi l'œuvre parfaite que la patience produit? Sagesse. Je sais pas, lui, il dit sagesse. Il me semble, si on regarde, est-ce qu'elle perfectionne notre foi? Okay. Ça nous donne une raison de... Ça nous aide à comprendre notre foi. Quand on parle de la perfection dans la Bible, c'est quoi ça? Jamais faire d'erreur. Ça veut dire, tu sais, est-ce que ça veut dire qu'on a des épreuves et à travers les épreuves, on devient parfait, on ne fait pas d'erreur? Non. Amen. All right. Very good. D'abord, ça veut dire quoi? Peut-être que la perfection devrait être atteinte dans nos désirs. Mais c'est quoi la perfection?
Là, je saute dessus, mais... C'est d'avoir, finalement, constamment le désir de faire ce qui est bien et, dans ce cas-ci, d'apprendre à travers les erreurs, OK? D'essayer de passer à travers avec, pas nécessairement toujours le sourire, puis « Ah, c'est le fun », mais une façon de tirer profit de cette mauvaise expérience-là, si on veut. Oh. Ouais. La perfection, c'est quoi la perfection? Bien, dans la Bible, la perfection, c'est Jésus. Mm-hmm. OK. Et si ça nous a... la patience, c'est quoi l'œuvre? Bien, l'œuvre, c'est on s'approche de Jésus. Mm-hmm. On commence à ressembler à Jésus. OK. Une autre version pourrait dire mature, que vous soyez mature. Ouais. Donc, c'est ça l'idée, je crois. C'est la maturité qu'on peut ressortir d'une épreuve. Oui. Dans la Bible, il faut comprendre l'idée que quand on dit le mot parfait, on ne veut pas dire sans erreur. On veut dire mûr, quelque chose comme une pomme, tu sais, un pommier. La pomme est mûre à un moment donné, est parfaite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poque dessus, rien, mais à un moment donné, elle est prête là, à prendre et à manger. Bien, c'est l'idée que les souffrances produisent ou travaillent la patience, et la patience aide à former un caractère qui est mûr, qui est complet. Et on peut comparer ce caractéristique en nous avec Jésus, que lui, il était mûr. Pourquoi qu'il était mûr? Parce qu'il comprenait complètement ses épreuves. Right. Quelle épreuve qu'il a subie? Toutes. Il a été tenté comme... Comme nous l'avons été tenté. Oui. Je ne sais pas c'est quoi le verset, mais... Il a peut-être subi des épreuves qu'aucun homme va subir. Oui. La loi, c'était une épreuve... Je ne sais pas si aucun homme a... Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont souffert la croix, mais... Oui, mais je veux dire, si tu prends tout ce qu'il a souffert, parce que... Il n'y a aucun homme qui, après avoir connu Dieu, a subi la séparation spirituelle. Et pour commencer, il n'y a aucun homme qui a eu l'unité que Jésus avait avec le Père. OK. Ça va être séparé de ça. Jamais un homme va connaître ça, parce que jamais un homme a été uni comme lui. Et jamais un homme a souffert cette chose-là sans lâcher. Il n'a pas dit, tu sais, il n'était pas sur la croix puis dit, OK, là, je suis tanné, là, ça suffit, that's enough, je lâche tout, là, sors-moi. Tu sais, il a subi la souffrance, mais il a rencontré la souffrance, mais il n'a pas lâché. Puis je pense que c'est ça l'exemple. Il a passé l'épreuve, c'est ça. Uh-huh. Beaucoup d'hommes ont souffert, mais est-ce qu'ils ont pris l'épreuve comme lui a pris l'épreuve? Et... Il a appris à se soumettre par les choses qu'il a souffert. Plusieurs n'ont pas le choix de subir l'épreuve. C'est ça. Jésus a volontairement. Wow! Il a souffert volontairement. Donc, il a passé une épreuve que... Je voudrais aller au verset 5, parce qu'ici, il y a une autre idée que Jacques amène, et c'est qu'à un moment donné, on traverse les souffrances, les épreuves, mais Dieu ne nous laisse pas seuls. En verset 5, quelqu'un... Daniel, veux-tu lire verset 5 là-dessus? Oui. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Ah. So, Dieu nous aide. Amen. Comment? En nous donnant la compréhension de l'épreuve. Pourquoi qu'on subit cette épreuve? Right. Une fois qu'on a compris, c'est plus facile après de passer par-dessus cette épreuve-là. Oui. En connaissant la vérité. Oui. Parce que il nous donne la sagesse, il nous montre comment cette épreuve va nous rendre matures. Est-ce qu'il fait ça toujours? Chaque fois qu'on demande. Je sais pas. Est-ce que j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord? Oui. Non, oui, il fait pas toujours. Bien, je sais pas s'il le fait toujours. Je pense qu'il dit, demande la sagesse, mais c'est de lire entre les lignes. Tu demandes avec foi. Tu demandes avec foi. Je pense que la sagesse, c'est pas tout simplement la sagesse de savoir pourquoi qu'on souffre. Mais aussi, la sagesse peut être la connaissance que Dieu est toujours avec moi. Je pense qu'il y a des fois qu'on souffre quelque chose, puis on ne sait jamais le pourquoi. Oui. On ne sait jamais le pourquoi. Tu sais, ton fils, il est là. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, avait deux enfants, son mari est parti, elle était seule, elle avait subi déjà des échecs dans la vie. Un jour, son petit gars traverse la rue, paf, il est mort, il s'est fait écraser, that's it. Tu sais, c'était comme... « Why? Pourquoi? Il n'y a pas de justice, rien. » Elle n'a jamais su pourquoi, jamais un pourquoi dans cette chose-là. Mais on sait que c'est pour développer notre caractère, c'est pour nous rendre matures. Okay. C'est ça le pourquoi. Moi, je ne dis pas que Dieu va dire « Oh, j'ai fait ça parce que dans l'an, 10 ans plus tard, là, tu vas avoir un autre... » Ben, je ne dis pas ça. Okay. Je dis que Dieu va nous aider à comprendre que ça, c'est là pour nous rendre parfaits, matures. Mais fais attention aussi, parce que c'est pas Dieu qui est venu frapper le petit gars avec l'auto. Non, non, non. Ouais, non. Aussi, il faut faire attention parce que la personne doit comprendre
pourquoi et puis comment se sortir, quelle est la vérité de ce qui est arrivé, oui. Et non pourquoi Dieu a fait ça. Non. Right. Parce que ce n'est pas Dieu nécessairement qui a été frappé l'enfant. Mais Dieu permet. Oui, Dieu permet. Dans le sens, si je peux donner un exemple, il y a le père de famille qui envoie son petit gars à l'école pour qu'il s'instruit. Et dans cette école-là, il y a une personne qui vend de la drogue. Est-ce que le père envoie son fils pour qu'il aille chercher de la drogue? Non. Non, tu vois-tu? Mais c'est hors de... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Le but d'envoyer l'enfant, c'est pas qu'il aille chercher de la drogue. C'est qu'il s'instruise. Mm-hmm. Mais les choses autour de lui sont là et il y a une possibilité. Mm-hmm. Et c'est pas la volonté du père. Mm-hmm. Et là, on parle d'épreuves. Dieu nous examine à travers les épreuves. Il bâtit notre caractère. All right, notre patience, ça nous donne la joie parce qu'on réalise qu'en traversant les épreuves, on arrive proche de l'image du Christ. Et ça, c'est ça le but du chrétien. Moi, mon but, moi, je veux être comme Jésus. Je veux dire, alors, remarque bien, il y a du chemin à faire. Mais... It's a long way to go, comme ils disent, mais ça fait rien. On parlait de ça dans une autre discussion qu'on a eue dans un autre programme. On disait que moi, je veux être comme Jésus, c'est mon objectif. Mm-hmm. Je sais où que je m'en vais. On dit, moi, je sais où que je m'en vais. Puis l'autre personne dit, bien, où vas-tu? Mais moi, je m'en vais dans la direction où que je vais être perfectionné. Je vais être comme Jésus-Christ, c'est ça. Amen. Toutes mes décisions sont formées autour de cette idée. All right. On va regarder verset 12. Quelqu'un lit verset 12. Diane, Carole, veux-tu... Oui. Lire verset 2, t'es-tu là en Jean, verset 2? Oui, oui. OK. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Là, vous êtes mes experts, là, bibliques. Il y a quatre choses ici dans ce passage-là. Quatre idées. La récompense, il parle de la récompense de la patience et l'homme qui patiente. Donne-moi les quatre choses que Jacques parle. Premier mot. Heureux. Ah, heureux. Donc, la première récompense pour ceux qui traversent l'épreuve, c'est quoi? Le bonheur. C'est ça l'idée. Quand on subit une épreuve, on veut que ça finisse, mais c'est pas en finissant qui vient le bonheur. C'est en sachant qu'on a traversé puis on n'a pas lâché. Ouais. Deuxième chose. La patience lors de la tentation. Oui. Dieu nous donne la patience nécessaire. Comme en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16, Dieu nous enseigne qu'il n'y a aucune tentation qui vous est venue que vous ne pouvez pas supporter. Donc, il nous donne la patience. Oui. Je pense qu'il y a une autre idée aussi ici, c'est que on va être tenté. On va être tenté. Ouais. Tout le monde va être tenté. Oui, c'est pas ça. Ça. Donc, ça devrait être notre première protection, je crois. Tu sais, tu t'en vas, tout va bien dans ta journée, tu laves ta vaisselle, whatever, puis tout d'un coup, pouf, il y a un problème. À place de se fâcher, on devrait réaliser que, hey, c'est dans le jeu, ça. Je ne dois pas jamais être surpris que les choses vont aller mal. On devrait presque se préparer quand ça va bien. pas négativement, mais ce que je veux dire, c'est de se préparer pour dire, OK, il faut que je garde cette attitude-là. Oui, oui, oui. Puis maintenant, quand le pépin arrive, now's the time. C'est là qu'il faut... Tu sais, je m'étais dit, je serais prête. Bon, mais là, il faut que je me prouve à moi-même que je suis prêt. Mm-hmm. Pendant que je suis fort... Oui. De prendre les outils pour me préparer pour la tentation. Mm-hmm. Ouais. OK. Mm-hmm. J'ai une autre idée ici, et c'est que comment qu'on prouve à Jésus qu'on l'aime? En venant à l'Église? Faisant les bonnes œuvres? Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que venir à l'Église, c'est une preuve d'amour parce qu'on lui rend honneur et on écoute sa parole. Faire des bonnes œuvres, il a dit quoi? C'est un témoignage. Un témoignage. Lui. Mais il y a une autre chose ici. Il ne prend pas plaisir au sacrifice, c'est vraiment, c'est mettre sa parole en pratique. Oui. C'est de persévérer. Mm. Je crois que c'est ça. Oui. Il va donner la couronne à ceux qui auront persévéré. Oui. Pas ceux qui ont des doctorats, des affaires de même. Non, non. Ceux qui ont pris l'engagement puis ont continué. Oui. Patiemment. Ils n'ont pas laissé tomber aux premières embûches. Ils n'ont pas laissé tomber. Le Christ, c'est une histoire de cœur. C'est notre désir en dedans puis notre volonté. Puis après ça, Jacques dit... Montrez-moi votre foi par vos œuvres. Oui, un peu plus tard, il dit ça, tu sais. Toi, tu parles de ta religion. Tu parles de ta foi. Yak, 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 yak. Mais moi, je vais te montrer ma religion par mes œuvres. Et les gens pensent les œuvres, c'était de faire des bonnes œuvres. C'est important d'aider notre prochain, tout ça. Mais une œuvre importante, c'est de persévérer quand il y a des épreuves. Mm-hmm. C'est ça, l'idée. Et donc, la récompense, la joie,
Quoi d'autre qu'il dit ici? On oublie le point. La couronne de vie. Ah, c'est quoi la couronne de vie? De vie éternelle. Ouais. Pourquoi? C'est qui porte une couronne? Un roi. Des rois. Ouais. Quelqu'un connaît le passage au sujet des rois? Acte 2:36, je pense que Dieu a fait ce Christ Seigneur et roi, ou Seigneur et maître. Et maître. Maître, oui. En Apocalypse. Apocalypse, ah oui, Jésus. Voyons dans Apocalypse, lis donc ça. C'est Apocalypse, chapitre 1. Chapitre 1, je crois. Il parle de roi et de prince et toutes ces choses-là. Ceux qui ont la couronne de vie, c'est ceux qui vont avoir ça. Eh bien, nous, on va continuer avec notre discussion. On vous invite à rester avec nous ici. On revient dans un instant pour faire un petit résumé. Chapitre 1. OK, on a le passage, je pense, oui. Roger. On a le passage. C'est Apocalypse, chapitre 1, à la fin du verset 5 et du verset 6. Okay. Ça dit, « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. » Alors, c'est intéressant qu'il dit des sacrificateurs. Il a fait de nous, il parle à qui, là? Il parle à des chrétiens. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que chaque personne dans le royaume, chaque personne dans l'Église est un sacrificateur. Maintenant, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur est habillé d'une façon spéciale pour faire ses œuvres, offrir ses sacrifices. Et c'est quoi qu'il portait sur la tête? Une couronne. Puis il y avait les honneurs aussi. Puis il y avait les honneurs. Donc, c'est l'idée que le prêtre dans l'Ancien Testament est le sacrificateur dans l'image du chrétien aujourd'hui. C'était quoi? Toi, tu étais pour... Bien, c'est ça. Tu touches finalement le chrétien. Puis j'entends peut-être ma voix d'avant que je me fasse convertir qui dit... Ben oui ou non, tu peux pas dealer avec l'épreuve comme ça, tu sais, ça se fait pas. Mais il faut réaliser c'est que... C'est tout pour cette semaine. On vous invite d'être ici encore la semaine prochaine pour une autre étude à l'émission Télébible. Au revoir et que Dieu vous bénisse.